Ah, yop, 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 yop. Alors, bonne. Arrêtez ou pas une espèce de capsule trouvée dans l'espace. Espace. Microgravité détectée. Ils ont peur. Et sur l'anesthésie. Non. Rien ne doit perturber la formation de souvenirs. Ok. Donnez force. Extérieur de Talos One. Apparemment, j'ai un autre. Colmater la brèche de la. Je sais pas trop comment je peux faire. À part avec de la vue. Morgane? Morgane, ici le chef Elazar. Les sas sont fermés sur Talos, mais il y a une ouverture dans la zone de fret que vous pourriez utiliser. Je pense que vous pourriez retourner dans la station à partir de là. Action navette du entier. Ouais. Bon. Cadavre humain à 80. Ici le docteur Taiyo Igwe. Ceci est un appel à tous les contacts à proximité. Je vous en prie, qui que vous soyez, écoutez-moi. Je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai pas de combinaison. Un accident dans la zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur. Mais je n'ai aucun moyen de m'amarrer de nouveau à la station. À ramasser. Alors attention. Pardon.
Il y a d'autres trucs à ramasser. Ah. C'est en bas. Empresser de. Ah. Là, ouais, plus rien dedans normalement. Ah eux? Mais... Ah, c'est incroyable ça. Là, je le vois. Ok. Ensuite, des trucs par là. Et ça arrivait d'où? J'avais vu d'autres trucs à ramasser, mais vu que ça a pas mal bougé, n'importe où. Faut que ce soit ça, mais bon, j'arrête un peu. Et je trouve le numéro quoi. Pas des 4 nanomodes. Peut-être à améliorer le piratage. Et au piratage piste. Quatorze pour débloquer le piratage jusqu'au 2 ou 4. Ah bah ça a pas gagné. Qui va mourir le garçon. Je vois pas trop est-ce que je vais trouver son code à lui. Je vais juste regarder si je peux pirater le truc. Pas à l'instant quoi. Peut-être niveau 3 minimum.
Ah non. Faut pirater. Ma gueule ou quoi là? Un kit de soin quand même. Hein. Bah oui mec, si t'as pas de combinaison forcément. Ici le docteur Dayo Ikwe, voici mes dernières pensées. Je suis à court d'oxygène. Il ne me reste plus que quelques minutes. J'ai cru détecter le passage de quelqu'un, mais ce n'était que l'écho de mes espoirs, qui disparaissent avec moi. D'abord, pour le corps scientifique sur Terre, mes théories étaient correctes. La psionique est possible et les banques de données de Talos le prouveront. Ensuite, nous ne sommes pas seuls dans cet univers. J'ai quitté Talos en raison de ce qui semble être une manifestation extraterrestre. Il présente des capacités physiques d'un niveau que je n'avais même pas envisagé. Si seulement... Maya, j'aurais aimé que tu vois ça. J'ai rencontré Letner, tu sais. Ses aptitudes... J'aurais pu jouer pour toi, mais tout a disparu, comme toi. C'est au tour de... Je vous vois, Morgan. Nous avons verrouillé la zone de fret. Nous sommes en sécurité, pour l'instant. Ça va être difficile d'entrer. Il n'y a plus de sas. L'explosion l'a détruit. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs. Ah merde. Ah bah c'est mieux quoi. Ça me ferait quoi un 80, un 20? Marin conteneur. C'est bien mais... Quel conteneur? Thank you.
Dayo Ikwe. Voici mes dernières pensées. Je suis à court d'oxygène. Il ne me reste plus que quelques minutes. J'ai détecté le passage de quelqu'un. Mais ce n'était que l'écho de mes espoirs, qui disparaissent avec moi. D'abord, pour le corps scientifique sur Terre, mes théories étaient correctes. La psionique est possible et les bancs... Jessica, t'aurais une minute ? Je suis de repos. Ouais, mais tu pourrais me redonner la procédure d'amarrage des conteneurs ? J'ai loupé la session de mise en pratique. Oh, Grant. Oh, pitié, si je demande encore à Gus, il va péter un câble. Tu te trouves au poste d'amarrage des cargaisons ? Oui. D'abord, commence par rentrer le numéro du conteneur que tu souhaites amarrer. Je le trouve où ? Bah regarde le conteneur, Grant. Il est peint à l'extérieur. Une fois le numéro saisi, plusieurs options doivent se présenter. Ah, c'est comme ça que j'aurais pu le sauver, l'autre. C'est tout. Le conteneur s'amarre tout seul, c'est ça ? Oui, Grant. Ils s'amarrent tout seuls. Ils sont autopilotés. Et j'imagine que la commande « ouvrir » sert à ouvrir le conteneur. C'est ça. Mais on peut jamais ouvrir les deux extrémités simultanément. L'intérieur de la zone de fret reste ainsi pressurisé. Même lorsque les portes extérieures sont ouvertes. Ok, je crois que j'ai compris. Merci, Jess. Jess ? Y a quelqu'un ? Ok, salut. J'ai presque envie de tenter de recharger la game, quoi, voir où est-ce que... Où est-ce que ça... Ça se garder, quoi. 9h05, 9h04, 9h03... J'y crois pas un instant, mais bon, tester. Ah, mais je peux sauver l'autre pimpin, ce serait pas mal, quoi. Condition atmosphérique dangereuse. Je vous vois, Morgan. Ah ben. Nous avons verrouillé la zone de fret. Nous sommes en sécurité. On va pas le sauver. Pour l'instant. Ça va être difficile d'entrer. Y a plus de sens. C'est son numéro. L'explosion l'a détruit. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs. Deux, trois, un, deux. 23, 12. Quoi lui que j'améliorais quoi ouais. Ah, c'était pas que j'avais amélioré. Peu importe ce que j'ai amélioré. Alors Oh.
Vers ça? Voici mes dernières pensées. Je suis à court d'oxygène. Il ne me reste plus que quelques minutes. J'ai cru détecter le passage de quelqu'un, mais ce n'était que l'écho de mes espoirs, qui disparaissent avec moi. D'abord, pour le corps scientifique sur Terre, mes théories étaient correctes. La psionique est possible et les banques de données de Talos le prouveront. Ensuite, nous ne sommes pas seuls dans cet univers. J'ai quitté Talos en raison de ce qui semble être une manifestation extraterrestre. Il présente des capacités physiques d'un niveau que je n'avais même pas envisagé. Si seulement... Maya, j'aurais aimé que tu vois ça. J'ai rencontré Lettner, tu sais. Ses aptitudes, j'aurais pu jouer pour toi. Mais tout a disparu, comme toi. C'est au tour de l'équipage de la station. Ils sont si nombreux. Quel dommage. Je présume que ce sarcophage dérivera indéfiniment jusqu'au point de Lagrange. Mais je ne peux pas en être certain sans connaître la masse exacte de Talos. À quoi ressemblera la Terre lorsque les cendres de mon retour dans l'atmosphère se disperseront à la surface? Jessica, t'auras une minute? Je suis de repos. Ouais, mais tu pourrais me redonner la procédure d'amarrage des conteneurs? J'ai loupé la session de mise en pratique. Oh, Grant. Oh, pitié, si je demande encore à Gus, il va péter un câble. Tu te trouves au poste d'amarrage des cargaisons? Oui. D'abord, commence par rentrer le numéro du conteneur que tu souhaites amarrer. Je le trouve où? Bah regarde le conteneur, Grant. Il est peint à l'extérieur. Une fois le numéro saisi, plusieurs options doivent se présenter. Sélectionne amarrer, c'est tout. Le conteneur s'amarre tout seul, c'est ça? Oui, Grant. Ils s'amarrent tout seuls. Ils sont autopilotés. Et j'imagine que la commande « ouvrir » sert à ouvrir le conteneur. C'est ça. Mais on peut jamais ouvrir les deux extrémités simultanément. L'intérieur de la zone de fret reste ainsi pressurisé. Même lorsque les portes extérieures sont ouvertes. Ok, je crois que j'ai compris. Merci, Jess. Jess? Y a quelqu'un? Ok, salut. Là, je peux remettre sur la porte numéro 3. La ramasser. Ah, c'est bon. Se ferme pas. Ah d'accord. Morgan, là-haut, c'est l'officier Cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Bon, j'ai peur d'être tout seul, hein.
Je monte là-haut, moi. Mignon. Et pourquoi je me fais tirer? Pas trop compris là. You. Morgan, là-haut, c'est l'officier Cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Par où je veux monter sur cette passerelle, quoi. Quel piratage. Force physique. Donc la force physique peut être utile. Ah, la force physique. Il nous reste quoi? Deux avec deux. Ah, force physique niveau 3, putain. Pour augmenter ma force physique, ça suffit pas, quoi. Compliqué là. Gozo. Alimentation religieuse. Je peux aller trouver l'alimentation. Peut-être en face, sur l'histoire à Rage Bay.
Ah oui, je peux pas les bloquer. C'est Gus de la zone de fret. Dis-moi, t'aurais pas commandé un Saint-Écube en provenance de la Terre? Si j'ai commandé quoi? Un Saint-Écube, c'est une machine. Une machine? Qui fait quoi? Bah, je sais pas trop, j'espérais que tu me le dirais. C'est une blague ou quoi? J'ai pas que ça à faire. Comme t'es concepteur industriel, je pensais que tu saurais. T'as visiblement aucune idée de ce que je fais. Et j'ai pas commandé de synthétiseur. Synthécube. Demande à quelqu'un de l'ingénierie. Mais je l'ai fait. J'ai demandé à tout le monde. Personne n'en a commandé et personne ne sait de quoi il s'agit. Bizarre. Bon, je passerai peut-être ce soir et jeter un œil. Ce serait sympa, merci Lane. Ouais, aucun problème. On va voir ce qu'il écrit. Je ne pourrais jamais monter là. Pas trop. C'est vrai qu'il faut pas se chier. À la limite, je vais faire une petite sauvegarde. Parce que j'ai pris quoi.
Oh oh. C'est cool ça, les feux l'ont défoncé. En fait, je pensais utiliser pour monter, mais non. Faut que descendre. Il va falloir que j'aille à ceux qui sont déjà en bas là-bas. Je monte avec. Ils ont pas l'air frais les deux fantômes là. Ah d'accord. Ça c'est ballot ça. J'ai pas vu arriver celui-là. Il fait coup tout à l'heure, on va passer dans les flammes là. Et bien, bien, bien. Voilà. Réglé. Fantôme, mais il est où l'autre?
Allez, viens voir tonton des choses. C'est con ça, hein. Des problèmes. Hein. Ouais. Tant bien, on a un recycleur là. Alors, là, j'ai vraiment plein de trucs à recycler. On est bon. T'as récupéré 10. Ah bien. On va mettre d'aller chercher. Tenez que j'ai pu ramasser juste. Alors. Un truc à plein endroit que j'ai pas pu ramasser. Bon, l'éclair, c'est ça qui m'a tué tout à l'heure ici. Votre attention, en raison pas trop comment. Dans la zone de fret 1, tout le personnel doit éviter cette zone jusqu'à ce que les réparations aient été accomplies et les vérifications de sécurité terminées. Le personnel affecté sera contacté pour être réassigné temporairement. Ceci est un message préenregistré. Ah, il y a une toile là-bas, j'ai même pas vu. Moi aussi, j'aurais dû essayer. Merde, la porte est bloquée. Oh. Mais... je vais voir ce qu'il y a. Ah d'accord, je peux pas. Normalement là-dedans, j'ai oublié. Alors qu'est-ce qu'on pense fabriquer des munitions de pompe déjà. Des munitions de pistolet. Des recharges LU. Ensuite, qu'est-ce qu'on... quelques-uns. Comment on fera un? Ah. Ensuite, charge recyclante. Deux.
Bon, hormis bien tout ça. Scan de la cible. Matériel Typhoon non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. En fait, celui-là, il est complètement pété, quoi. C'est con. La personne est au-dessus. Il y en a, moi. Scan de la cible. Matériel Typhoon non concluant. Comment je sais pas, ça se passerelle, quoi. Même pas sûr d'y arriver. Là. Morgane? Je me disais. Je sais plus. Je suis contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage? J'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris et que tout le monde s'est mis à courir. Mais il fuyait pas les flammes. Il fuyait ses formes. J'avais contenu le feu et je tentais d'atteindre le générateur quand Hal, l'officier Rose, est venu me chercher. Heureusement pour moi. J'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de l'... L'identité de ces choses. Tous mes collègues. Ils sont morts, n'est-ce pas? Je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes? Elles ont planifié tout ça? J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas. Tous les modules. C'est vraiment possible? Si seulement j'avais pu éteindre le feu. Il est contenu, mais j'aurais pu faire plus. Chef, ici Rose. J'ai fouillé la zone 1, rien à signaler. Elle est vraiment fiable, votre source. Oui, fouillez la zone à nouveau. Le bruit court que le contrebandier va faire passer le matériel pendant le prochain cycle. Si vous me fournissiez un de ces jolis bon casques sang, du département psychotronique, j'irais peut-être plus vite. Ça me très file. Drôle. Désolé. Fouillez la zone à nouveau et faites-moi votre rapport. Qu'est-ce qu'il fait? Et la... Je crois que je vais vomir. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch. Ah, cadavre, peut-être. Va savoir, ça l'a peut-être sauvé. C'est peut-être toujours Enoch. Non, on dirait pas. Sam, promets-moi de me tuer si jamais je finis comme ça. Sarah va nous tirer de là. Elle l'a toujours fait. On est en sécurité ici. Pour l'instant, je vais vérifier les environs. Comme tu dis, pour l'instant. Le capitaine et Lazare est là-bas. Moi, je bosse pour vivre. Lui dites pas que j'ai dit ça. Même mort, on n'est pas à l'abri. On sera à leur merci, comme Enoch, comme les autres.
Voilà. Voilà. Être cérémoniel, voilà. Quart de zone, c'est bon ça. On trouvera sans problème le moyen de me coller ça sur le dos. Quatre neuromodes. Sympa ça. Alors vous avez décidé de venir jusqu'ici dans le seul but de retourner sur Terre. Le seul moyen d'y parvenir est par la zone de Fred B, qui est infestée par les créatures qui ne pouvaient soi-disant pas s'enfuir, d'après votre frère. Un peu comme vous. Je suis la seule à posséder le code. Je vous le donnerai si vous nous aidez à mettre sur pied la puissance de feu que nous avait promise en arrivant ici. Il nous faut les plans de fabrication des tourelles éradicatrices. Mes hommes m'ont dit que le fabricateur fonctionnait à nouveau. C'est grâce à vous, n'est-ce pas? Je n'avais visiblement pas assez foi en vous, docteur. Oui, chef. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à obtenir le plan de fabrication des tourelles. Il y en a un dans le coffre du bureau de la sécurité, mais il est hors de portée. À cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. Ces choses trouveront bientôt un moyen d'entrer si on ne va pas les affronter nous-mêmes. Ouais, ils sont nombreux. On doit bien pouvoir reconnecter quelques tourelles. Vous avez réussi à vous procurer les plans des tourelles éradicatrices? Ah non, je sais pas où ils sont.
Bah tiens les cages. Yeah. Bien sûr, il fallait que ce soit des gros quoi. Pas porté. Ces pistolets Transtar PPN-8 sont juste là pour faire beau. Ils font pas grand chose face à ce qui nous attaque. Mais avec les tourelles éradicatrices, on a une chance. Ouais, et ils sont où les plans de la tourelle éradicatrice? Ah, parce que... Alors, ouvrez la zone de fret B. Alors, placer les tourelles dans l'aire de chargement et tirer le plan de fabrication de la tourelle externe de Talos One. Ouais, je ressors, toi. Ok, donc il faut que je ressorte. Il faut que je remonte. Ah. J'ai eu. Vraiment que j'améliore aussi mon inventaire. Dès qu'il faut que j'améliore. Alors voyons voir, Neurobot. On a combien? On a 4. Neuromodes.
Ok. Mon inventaire. On ressort. Alors, cher. Microgravité détectée. Ça c'est ballon. Ah! C'est zéro dégâts, ça. Alors, j'y vais un petit peu. Loupe. Oh putain, il est pas passé.
pas qu'est-ce que je peux lui jeter dans la gueule. Ils sont partis où, morceaux là? Y'a quelque chose au moins? Alors le plan il est là. Moi j'ai le code du coffre. 1, 2, 9. Merde, j'ai plus gros touche. Alex, ils ont pas l'air ouf, voilà. 3 et 3. Faire 2, 3, ouais, 3, c'est pas ouf. On va tester avec 3 déjà. On verra. J'ai recyclé ou ben tiens.
plus que ça. C'est pas une bonne idée ça. Ah oui, je peux pas sauter avec. Ouvrez-moi la porte, bande de cons. Ouvre-moi là, espèce de con. Et où la zone de Fred B là? Et là? Pourquoi il m'ouvre pas la porte? La carte d'accès. Les plans, c'est une chose, mais même avec les TEA en place, avoir de vrais flingues, ce serait pas du luxe. J'ai loupé quelque chose. Ah. Il y aura la carte d'accès. Pas de tourelle, pas de code. C'est pour notre sécurité et la vôtre. Là, je vois pas comment je vais faire pour faire venir les tourelles là, si je peux pas ouvrir la porte. Un moment. Oh merde. Comment je vais faire pour les faire monter ici? Sans les abîmer, parce que si je les jette, ça les abîme. Je pourrais jamais grimper sur les trucs avec les tourelles, vu que je peux pas courir avec les tourelles en main. Je vais trouver un autre moyen de monter. Je vais te faire monter. Il doit y avoir moyen de faire monter. Comment? Oh, il y a un ordinateur là, forme d'alimentation.
Et où? Nevermind, prendre les avec ça. D'ailleurs, moi, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais... On va voir là-bas dedans, mais... Pas pour un instant. Alimentation. Autre. Mais fuck quoi. Un éclairage. Ah, je peux charger là-dessus. Je vais remonter, merde. Bordel. Ah, je peux pas monter. Bon.
Ah, en plus, je peux pas les mettre dessus. Ouais, en plus, putain, c'est décalé, quoi. Je peux pas les... Oh, le bordel que ça va être, quoi. Un instant quoi. Ouais. Bien sûr que ça n'allait pas marcher. Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. Oh! C'est pas prévu par contre. Pour la réparer. Oui, je me pense. Cinq tours à l'en bas. Alors ça suffit pas quoi. Ouais, 5. Au 4,5 vu que c'est la prise des dégâts que je peux plus la réparer.
scan de la citoyenne au calendrier plasma automatique, version 0.7.6. C'est parti. En avant la musique. Faites gaffe! Ils vont rentrer par cette porte, ne laissez pas se mettre à couvert. Ou qui sait en quoi ils pourraient se transformer. Officier Maddox, prête. Si je dois crever comme ça, alors qu'il en soit ainsi. Les TEA sont activés et réglés. Respiration. J'ai hâte que nos petits amis y goûtent. Voilà le code de la zone de fret B. C'est maintenant ou jamais. Avant d'ouvrir cette porte, vérifiez les alentours. Faites-en une image mentale. Si vous voyez un truc en double, faites en sorte de savoir sur quelle cible tirer. D'une brèche importante dans la zone de fret 1, tout le personnel doit éviter cette zone jusqu'à ce que les réparations aient été accomplies et les vérifications de sécurité terminées. Bon. De neuromode, je regarde si je peux en faire quelque chose. Le personnel affecté sera contacté pour être réassigné temporairement. Ceci est un message préenregistré. Cartouche de con. Je sais pas si c'est un. C'est quoi comme robot qui passe. Demande de nouvel opérateur. Opérateur Instant. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est compromise. Laissez-moi la réparer. Réparation terminée. Trop aimable, l'ami, trop aimable. Attention. Je peux toujours. Allez. Ouais. Bon, on va faire une petite sauvegarde. Là, je pense qu'il y en aura besoin. J'espère que cet opérateur médical est opérationnel, parce qu'on va avoir besoin de lui après ça. Un fantôme! C'était le dernier, j'espère. Vous en voulez encore? Maintenant que nous avons sécurisé la zone, nous pouvons tenir indéfiniment. Si vous envoyez d'autres survivants ici, nous les protégerons. Eh ben ça, c'est du joli tir. Déjà qu'avec toutes les tourelles et tous les bonhommes... Dwayne aussi. Morgan, mais vous nous avez sauvés. J'étais sûr qu'il s'en tirerait. Maintenant, si vous sortiez et alliez en sauver d'autres, ça pourrait être bien. Et pourquoi tu le fais pas toi-même, Pintad? Ah, elle se foule pas trop la Ginette là. Elle s'est battue jusqu'au bout. Elle aurait dû un peu plus s'ouvrir aux autres. Cool. Intéressant. Là.
En moi, je trouvais intéressant. J'avais un autre verrouillé. Si je peux. Ouh, 0,15 secondes. C'est chaud. J'aime bien trouver tout le temps les mêmes plans, quoi. Fabrication Japon. En celui-là, il a pas de... important celui-là. Là, celui-là. Là, c'est des trucs intéressants aussi. Là, je crois que j'ai plus ou moins tout fou. Merde. Là, je crois qu'il y a plus rien là. Hein. Ah. Il semblerait que là j'ai vraiment tout fait. J'avais un truc pour déverrouiller et je me suis fait. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mon collier a du retard? Désolé, Dr. Berger. Le système s'est éteint à cause d'un déclencheur de sécurité. Nous essayons de le remettre en route. Ce collier est extrêmement important. J'en ai besoin rapidement au département psychotronique. Une équipe recherche actuellement la source du problème. Nous en avons pour quelques heures. Quelques heures? Vous pouvez rien faire d'autre? Non. Mais puisque vous avez du temps, vous pourriez appeler Monsieur Yu et lui demander la permission de relancer toute la station. Ça résoudrait immédiatement le problème. Quelle idée ridicule! Eh bien, puisque vous n'aimez pas le ridicule, je crains que vous ne deviez attendre. Je pourrais y aller moi-même. J'ai eu un entraînement à la microgravité. Vous avez qu'à faire ça. Et c'est là qu'il est mouru, dans son conteneur, parce que je l'ai ouvert comme un... On a réussi. Maintenant, on peut peut-être reprendre le reste de Talos. Qu'ils viennent! Je les attends!
Ces pauvres PPN-8 sont aussi efficaces que des putains de pistolets à eau. Suffisante. Actionneur stable. Gestion de notre liaison terreur. Rien à signaler. Ouais, maintenant la porte, je peux l'ouvrir. Pourquoi? J'ai pas le code d'accès. J'ai pas la carte d'accès. On va l'ouvrir. Allez, allez. Si jamais un jour vous voulez travailler dans la sécurité, dites-le-moi. Je pourrais glisser un mot à votre sujet. Je connais quelques personnes. Bon, on va aller recruter tout ça. Ah, elle va me faire mal, disons. Alors, hop, comme ça. Hop, rien d'autre en vrai. Là, je crois qu'on est bon. 14 d'armes, j'en ai 6. Même neuromode, j'ai pas vu. Ah, hop. Ouais, il faudrait que je regarde si je peux pas améliorer. Hop, là, on est bon. Ok. Bien. Alors, neuromode. Améliorer les soins. Voilà. D'armes. Par armurier 2. GPV, c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau objectif, qu'est-ce qu'il nous faut faire? J'ai toujours pas trouvé là. Cagelle. Demande du cuistot, sécuriser la cafétéria, quartier d'équipage. On va faire plus simple. Regardez la carte. Pas plus simple. Alors, je suis où? Actuellement, zone de frais. Prête de chercher à dans laquelle quelqu'un. Je vais faire ça. Je remonte. La manière dont ils ont consumé, transformé Enoch en l'un des leurs, c'est ça qu'ils veulent? Erreur.
Mais non, mais je suis... Bon, c'est le numéro du conteneur, mais je suis... Ah, ouais, je me demande si c'est un cerveau. Ouais. Ça va, j'ai pas perdu beaucoup. Faut que je sois plus rapide. C'est très difficile de trouver sur la clé USB. La clé USB, contrairement à l'expérience leader et les autres. Rejoins l'autre. Gravité détectée.
Apparemment la porte est... Ah. Ah. Gravité normale détectée. Bon, et maintenant, là, dans support de vie, cadre à mouvement d'Alex. Ah, mais c'est objectif principal. Objectif principal. D'avancer sur le reste. Avec quoi tu veux colmater ça? J'ai une idée à la con, mais ça c'est un peu bizarre. Je vais l'essayer, j'ai une idée, je vais être allé. Ramasser des trucs à la Russie. Pas trop énorme à recycler. J'ai pas les... rien au feu. Ouais. Thank you.
8 trucs pour améliorer mes armes. Ah. Bon, je crois que je peux faire la vitesse de recharge. Voilà. Je crois. Maître. Canon aigu par contre. Ah, elle va l'améliorer. C'est ça. Bien contre les robots, par moi. Pas percuté quoi. Voilà. Bon. On n'est pas trop mal. Merde, c'est pas ça joué. Il me reste 3 kits de... Oh, on est pas trop mal. Ouais, bien, ça devienne que pour. Microgravité détectée. Allez, on est parti. À vérifier ton transcribe. Je ne sais pas comment tu as pu arriver là. Je pensais que tu n'étais plus là parce que... Non, rien. Les sas et ascenseurs sont bloqués. Alors c'est quelle brèche qu'il faut que... Je peux mettre la brèche... à quoi ? Derrière le... Voilà. Je saurais. Alexis, je commence même à voir des taches. Tu avais raison. Même si je parvenais à mettre la main sur les injections dans mon bureau. Cependant, je pense que je peux nous sortir de là en utilisant le réacteur principal pour lever le verrouillage. Je sais que ça a l'air dingue, mais je peux te guider dans la procédure. Je le ferai bien moi-même, mais... Bon, contente-toi d'y aller, d'accord ? Oh, bah c'est une petite brèche, quoi. Attention, vous allez. Oui. Opérateur à l'approche. Oui. Attention.
pas cette brèche là que je voyais. Donc il y a une autre brèche. Voilà. Là. Mais non. Ah, celle-là là. Ça dit que celle-là je peux le mater. Notre entrée là, peut-être que ça a verrouillé aussi. Comment alors? Si je regarde bien la carte. Ah ouais, la zone de patch, je peux aller à la porte de vie à l'électrique. Donc il faut que je revienne en arrière. En fait, ce panneau, c'est... Je suis totalement paumé. Ah bon? Base. Non, beaucoup pas. Je me suis pas rendu compte de la distance que j'ai parcouru. Vaisseau. Ça a guéri.
Ça peut paraître étrange venant de moi, mais je vous admire. Vous n'étiez pas obligé d'aider le chef Elazar et son équipe dans la zone de fret. Surtout quand on pense que... Enfin, quand on pense que vous comptez détruire la station. Vous leur avez donné espoir, même si ce n'est que temporaire. Ah ouais, il doit peut-être nous aider pas... plus tard. On doit détruire la station. Je sais pas pourquoi personne ne répond. J'avance plus. Je répète, les moteurs sont coupés. Je pars à la dérive. Bordel, Seth, répondez au transcribe. Ok. Merde. Je fouille la cabine. J'ai une arme de poing. Si tout va bien, je vais tenter une évacuation par un sas. Seth, ici le capitaine Hale, de la navette Exalt. J'essaie de contacter le pont, sans succès. Demande de confirmation. Mon système est en panne. C'est, disons, généralisé, je comprends pas. Je dois me poser au plus vite. J'ai aussi besoin de la sécurité à mon arrivée. J'entends des bruits étranges dans la cabine. Merde, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je peux regarder si je peux ouvrir la porte. Par ça pour pouvoir avoir accès à la porte, je crois. Là c'est 1 euro. Réparation un petit. Ah, il m'en faut. Sortir de ce vaisseau. Je me souviens pas où est l'entrée de cette station de Prout. Zone de fret, elle est où ? Je pense, si j'ai pas de gré, il y a une des deux capsules par seul. Que c'est une des deux que j'ai pris. Ah ouais, des choses. J'suis un peu perdu là. Oui. Ok. Ah. J'aime les mots. Ouais, c'est bon.
Alors c'est là que moi je suis arrivé. Parti. Aller vers où? On va perdre. On va retrouver l'entrée, c'est moi. Papillon. J'arrive pas à retrouver l'entrée quoi. Bon, voyons voir. Par rapport à la carte. Là je suis à côté du. Ah, je suis de ce côté du vaisseau. De l'autre côté. C'est de l'autre côté, par là-bas ou par là-bas? Pas dans toute sa longueur. Par là-bas. Ça va, marche! Les accos, c'est bête. Tout nique. Magnifique. Magnifique. Bug de texture. Alors, si on regarde la carte, elle doit être au-dessus, pas écrit, donc de l'autre côté. La centrale électrique. Le fret de l'autre. On va retrouver la brèche. Ah, elle est là. Retrouver ce soir. Je vais rentrer et je pourrai enfin sauvegarder et puis
Oh. Prochaine scène. De rien, on aura bien avancé. Attends. Voilà. Et bien après, la suite sera pour le prochain épisode.